camarades, bonjour. Jeudi un jour bien spécial pour moi, que me sentiment très honoré et chanceuse qui m'a donné l'opportunité d'adresser la parole, qui fait partie de sa grande famille de militantes et de militants. Laisse-moi raconter ces histoires. Ces histoires d'un enfant qui tient une passion. Et ces enfants-là, cette passion, c'est jouer badminton. Tous les jours, ils jouent badminton. Tous les jours, ils entraînent ce badminton. Et un jour, ils y allaient même, ils sont bien contents, participent dans une compétition nationale d'Amoris même. Ils participaient et ils gagnent une médaille d'or. Ils sont contents, ils sont bien encouragés, ils continuent à entraîner. Là, ils y allaient même, ils sont contents, ils visent un petit peu plus haut et gagnent une médaille d'or pour Jeux des Îles. Ils ont entraîné et ils gagnent cette médaille d'or dans Jeux des Îles. Là, les temps passés encore, les enfants l'ont dit à lui-même, ils ont envie de viser encore plus haut et gagner une médaille d'or dans les Jeux d'Afrique. Là, ils entraînent des fois plus dire et ils gagnent cette médaille d'or dans les Jeux d'Afrique. Là, les temps passés, ces enfants-là deviennent adultes. Adultes-là, ils gagnent un rêve. Et ce rêve, c'est participer aux Jeux Olympiques, qui est le plus grand événement sportif dans notre planète. Là, ils entraînent. Les trimer, les transpirer, les sacrifier, l'immense douleur sur l'entraînement, les gosses se disciplinent, qui se lèvent, qui l'applient, les entraîner, les continuent persévérer, les gosses se rêvent dans la tête. Et finalement, en 2008, aux Jeux Olympiques de Pékin, ces enfants-là réussissent ce rêve. Et ces histoires-là, mes camarades, c'est mes histoires dans le sport. Vous connaissez dans le sport? Dans ce sport, c'est ça. Dans ce sport, nous patriotiques. Nous patriotiques parce qu'ils nous représentent le pays. Nous patriotiques parce qu'ils nous la guerrent pour le pays. Et nous sacrifient pour le pays. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer mon combat pour mon pays à travers la politique. La politique et le sport, ils pareil quand ils travaillent dur, quand ils mettent des efforts, quand ils persévèrent jusqu'à réussir. Parfois même nous tomber. Parfois même nous gagner déception. Mais nous relever. Nous relever, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras. Nous relever, nous continuer à avancer. Sport, il apprend moi beaucoup valeur, il apprend moi beaucoup de principes. Et c'est pour sa raison-là même, c'est exactement pour sa raison-là qui fait Zodi Modern MMM. Une partie qui tout au long de l'histoire jusqu'à maintenant finirait fondamentalement pareil et finirait fidèle à ses bonnes convictions, finirait fidèle à ses bonnes valeurs et finirait fidèle à ce principe. Mais qui finit aussi qu'on évolue avec ce temps, finit aussi qu'on modernise. Et moi la preuve de ça, Zodi Bancamarade, comme moi, une madame, moi, une jeune, mon petit bout devant où pour nos 49e anniversaire. Et dans MMM, nous retrouvons ben, le même principe qui se pose au fin de montrer moi. Ben, le même valeur qui se pose au fin de montrer moi. Quand un athlète lui gagne une médaille grâce à ses compétences, grâce à ses efforts, dans MMM, il a un seul critère. Il a un seul critère pour réussir et ce n'est pas le mérite. C'est quand il a compétence, il est là qui monte dans MMM parce qu'il est dans MMM, il a méritocratie. Et ça, c'est valeur MMM. Et MMM. MMM est égal à démocratie quand il donne le choix à ce ban délégué, il donne le choix à ce ban militant pour qu'ils eux choisissent, eux élisent, eux dirigeants. Et ça, c'est valeur MMM. Et dans ce sport, pareil, comment dans MMM, peine de discrimination, ban camarade, peine de discrimination, ni couleur, ni race, ni communauté, ni religion. Non, ban camarade, ça peine, ça peut nous. Parce que nous, MMM casse tout ban boyer parce que nous tout qui là nous fait partie d'une seule famille. Et ça, c'est valeur MMM. Et comment je connais dans ce sport, un bon coach m'a rien important pour un athlète. Nous, dans MMM, nous ban dirigeants et nous leaders non seulement compétents, mais c'est aussi là pour guider nous ban jeunes, c'est aussi là pour transmettre nous notre savoir, transmettre nous notre expérience, et c'est aussi là pour montrer nous le bon exemple. Dans le sport, il y a fair play, il y a honnêteté. Dans MMM, nous la mettons les pieds, nous la mettons propre. Et ça, c'est valeur MMM. Et comme on faisait la dire, qu'il est dans le sport, qu'il est dans la politique, quand nous pouvons faire, nous tissimer et nous battre qu'un miraille. Faut des pas, nous tourner les deux. Faut des pas, nous abandonner et nous reculer, nous aller. Non, bonne camarade. Faut des qui nous trouvent un moyen pour nous grimper au-dessus
pour nous escalader sa miraille là. Parce qu'ensemble, avec d'autres coups de qui nous donnent même, nous pourrons réussir à mon n'importe qui miraille et réussir nos banlieues. Merci, Mme Gomorrah.